C'est Disney! Enfin! Enfin! Bordel de merde! Je vous jure que depuis pas mal de temps, lorsque je parle des films Disney sortis récemment, je fais pas exprès de faire mon rabat-joie juste pour dire « Ah, ça aurait pu être mieux, ah, c'est quand même discutable sur pas mal de points. » Je vous donne mon ressenti sincère et je ne veux pas ne pas adorer ces films. Donc quand j'en tombe sur un que j'ai pas trouvé sensationnel, mais vraiment très bien fait dans ce qu'il voulait raconter, et sincèrement rafraîchissant, je vous jure, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hein. Et juste pour revenir là-dessus, il y a peut-être des gens qui auraient voulu que je revienne sur certains films sortis récemment dont j'ai pas parlé. Très vite, je me suis dit que c'était pas trop la peine de le faire parce que ça aurait été, encore une fois, moi qui fais mon rabat-joie en disant que c'est pas si génial que ça. En particulier Kaamelott le film, j'en parle très vite. Je voulais à fond en parler de ce film parce que j'en attendais beaucoup et j'étais presque certain que ça me plairait à un niveau un tout petit peu important, mais ça a été une déception. Ça a été une déception parce que je trouve vraiment pas que l'attente que vous avez mise en place, parce que vous avez pris des plombes pour sortir ce film, valait le coup pour un produit pas des masses réfléchies qui jongle un peu maladroitement avec ses personnages et qui donne pas vraiment l'impression de sortir grandement du format que vous aviez mis en place dans votre série. Ça donne pas l'impression d'être un film grandement pensé pour le cinéma dans la mise en scène et dans la gestion des personnages tout simplement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de trucs qui vont vite, de scènes qui s'enchaînent et de développements qui se font un peu trop facilement et c'était pas ultra satisfaisant pour ce que pouvait promettre la fin de la saison 6, tout simplement. Voilà, je vais même jusqu'à dire que si vous voulez partir sur une approche cinématographique et qui essaye de plus faire dans l'excès, dans la mise en scène plus poussée, je trouve que la saison 6, ça s'en est mieux tiré que ce film, quoi. Mais globalement, il était correct, mais je m'attendais à tellement plus. J'attendais à tellement plus que ouais, quelques blagues qui passent et un déroulé acceptable. Voilà, je m'attendais à plus que ça, et donc c'était une déception. Et est-ce que j'avais envie de faire une vidéo entière juste pour me plaindre de ça? Non, clairement pas. Voilà, parenthèse terminée sur Kaamelott le film. Je voulais pas partir sur des avis à tiède où c'est toujours moi qui me plains que c'est pas si génial que ça, quoi. J'avais envie de traiter de films qui m'ont sincèrement plu, sur lesquels je pouvais être vraiment positif. Et je suis vraiment content qu'un film un petit peu obligatoire pour moi, parce que les films Disney Animation Studios et Pixar qui sortent récemment, je suis un petit peu obligé de les traiter en avis à tiède. C'est presque un accord tacite entre vous et moi, bien entendu, qu'il faut que je parle des films Disney animés sortis récemment. Et ben, j'avais toujours cette petite crainte à chaque nouveau film que je tombe une fois de plus sur un film qui me fasse dire « Ouais, peut mieux faire. » Mais non, hein. Bon, est-ce que ça aurait pu mieux faire? Peut-être un petit peu, je vais en parler, mais globalement, c'était très satisfaisant et très sympathique. Je vous recommande sincèrement ce film-là. Voilà, ça m'a rappelé à ces bonnes ambiances, ce rendu très réussi des films Disney sympathiques des années 90 qui m'ont un petit peu ravi. Et ouais, ben, on suit un cadre qui vous rappellera peut-être quelque chose d'une famille mexicaine dont l'une est une paria peu assumée parce qu'elle n'a pas exactement les mêmes capacités, voire centres d'intérêt. Et c'est assez réminiscent de Coco et il y a pas mal de parallèles à faire avec Coco. Et je trouvais ça très intéressant dans le concept parce que bon, ça s'éloigne quand même pas mal de Coco sur pas mal de points, notamment dans l'idée de base que ce sont des super-héros en fait, hein, des membres de cette famille qui sont touchés par une sorte de magie mystique qui sort un petit peu de nulle part. C'est un petit peu le truc qu'on pourrait reprocher. Il y a la déesse des Mexicains qui est tombée sur cette femme il y a longtemps et qui lui a accordé ce pouvoir magique parce qu'elle a été touchée par par son malheur. Sans doute un truc comme ça. C'est le truc qu'on accepte. C'est pas grave, conte de fées. Et c'est un petit peu le truc que je pourrais dire sur Encanto. C'est un film qui assume son côté conte de fées et qui le fait bien. Avec une petite morale autour de cette famille sur laquelle je reviendrai, mais il y a un côté conte de fées et histoire particulière qui n'essaye pas de vous mâcher une morale sur la société ultra importante comme malheureusement pas mal de films Disney récents l'ont fait. C'était
Sympathique. Et j'ai le sentiment que ça a tendance à repartir sur une certaine tendance quand on voit donc Luca sorti peu de temps avant et ce nouveau film. Ça semble parti pour éviter de nous balancer la grosse morale en pleine gueule. Et ça fait plaisir, déjà, ça. Mais ouais, ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que de base, ça peut promettre tout comme rien. En fait, ça m'a rappelé énormément lorsque j'ai vu le concept être mis en place dans la bande-annonce, dans la présentation du film, il y a un certain temps. Ça me rappelait un petit peu une série que j'ai vaguement suivie, fut un temps, qui s'appelle Norman Normal, qui repose sur exactement la même chose. Hein. Et on a un mec, un garçon qui n'a pas de super-pouvoir dans une famille de super-héros qui ont tous eu des super-pouvoirs. Et donc il essaye de le vivre, et c'est une série cartoon, comique, qui vole pas très haut, et c'est à partir d'un concept qui peut promettre, je pense, une exécution pas fameuse qui fait que ça m'a pas énormément marqué. Et j'avais un peu peur que ça parte un petit peu là-dessus, mais non. Non, très sincèrement, on joue très habilement sur ce statut-là, ce statut de notre héroïne principale, Mirabelle, de la famille Madrigal, qui était enthousiaste à l'idée de recevoir un pouvoir, mais qui en a perçu et qui essaye de faire avec, d'apporter sa pierre à l'édifice, même si elle se sent beaucoup moins extraordinaire que sa famille, que ses sœurs et ses cousins qui sont super. Et cette situation qu'on met en place sur le fait que la famille Madrigal, c'est un petit peu la protectrice de cet endroit qu'ils ont créé, cet Encanto, justement, dont on parle, et comment ça la pèse. C'est très intéressant. C'est très intéressant, sachant qu'en plus de ça, ça met en place une espèce de danger qui s'affrète sur la maison, comme quoi une espèce de destruction est proche et elle essaye de prévenir ça alors qu'on ne la croit pas. Je vous cache pas qu'au début, et c'est un petit peu le thème principal de ce film, j'avais un peu peur que ça parte sur la même voie que Coco, dans un sens, parce que on voit cette considération un peu mesquine du personnage de la part de sa famille un petit peu des gens. Je trouve que ça c'était un peu gratuit, la façon dont les gens la rabaissaient sans trop le vouloir sur son côté, t'as pas de pouvoir toi, c'était un petit peu gratuit, mais en dehors de ça, c'était vraiment sa famille qui la rabaissait sans trop le vouloir, une partie de sa famille, et j'avais un peu peur que ce soit le truc qu'on traite par-dessous la jambe, comme dans Coco, en disant ouais, elle réussit un truc à la fin et tout le monde l'accepte, merci, au revoir, on n'apprend pas nos leçons, on n'appuie pas le fait qu'on était un peu des connards avec elle. Non, justement, on remet en question le comportement discutable de ces personnes, en particulier celui de son abuela, qui m'a un tout petit peu rappelé à ses débuts l'abuela de Coco, en beaucoup moins énervante. Et c'est un petit peu le truc que je tiens à dire, quoi, ce qui fait que pour moi, dans son approche familiale, c'est Coco en beaucoup mieux fait. Parce que l'abuela de Miguel dans Coco était une grosse connasse qui a appris ses erreurs simplement par un petit tour de magie qui fait que Coco a sauvé la situation. Mais c'est tout. Voilà, elle a appris son erreur parce que Coco a sauvé la situation avec un espèce de truc magique qu'il a sorti de nulle part pour tout arranger. Mais s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été resté une grosse connasse. Alors que là, non, on aborde le sujet de son comportement, on la confronte à ce comportement et on en discute pour appuyer comment elle s'est retrouvée là de façon mille fois plus compréhensible que la famille de Miguel. Une fois de plus, je suis désolé, mais s'il y a bien un truc qui m'énerve dans ce film Coco, c'est le côté ultra forcé du conflit familial qui les fait juste passer pour des gros connards finis. Là, au début, j'avais un petit peu peur que ce soit traité sous la jambe, comme je l'ai dit, et que ce soit facilement déjoué à la fin, mais non. On aborde ça en détail en montrant que c'est justement le comportement de cet abuela qui est la cause de pas mal de problèmes. Je vais pas aller trop dans le détail, hein. Il y a quelques petits rebondissements qu'il est intéressant de découvrir par soi-même, mais on aborde ça et ça joue un rôle important. On aborde la pression qu'elle met sur cette famille, en fait. Et au fur et à mesure que le film progresse, on finira par se rendre compte qu'il n'y a pas que Mirabelle qui souffre un petit peu de cette pression-là, que toute sa famille subit un petit peu ça à cause de cette pression qu'on met sur leurs épaules par rapport à ce qu'ils sont censés représenter. Et c'est ça qui doit être un petit peu déjoué, ça qui doit être défait, arrangé avec la participation de Mirabelle qui doit s'affirmer sans avoir de super pouvoir.
je trouve très bon. Très bon. Hein, c'est plus ou moins ça, l'histoire principale. Et je trouve parfaitement rendu. Avec un personnage central que je trouve ultra attachante. J'adore Mirabelle. Super personnage, j'adore. Hein. Je vous cache pas que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un protagoniste aussi fort pour porter un film Disney. Super, super réussi pour moi. Vraiment très attachante dans son désir de représenter quelque chose et dans sa peine de ne pas être au même niveau que cette famille dont elle aspire totalement à faire partie, même si elle se sent à part. Il y a quelque chose de très joli dans ce besoin de s'affirmer, de faire quelque chose et d'arranger la situation. Parce qu'il y a vraiment ce côté, on essaye de balayer les soucis qu'on peut avoir sous le tapis en les ignorant. Vraiment totalement de la part de cette famille. Et je vous cache pas au début, une fois de plus, que je trouvais ça un peu gros, un petit peu connard de leur part, mais justement, on adresse ça. Et ça joue un morceau important dans l'histoire. C'est pour ça que, voilà, la première demi-heure, j'avais quelques petites réserves. Je détestais pas la première demi-heure, mais j'avais quelques petites réserves sur la façon dont était dépeinte cette famille. Mais étant donné que on adresse ça, et c'est vraiment le cœur principal du problème qu'on met en place, je trouve ça plutôt bien fichu, très bien mis en place au bout du compte. Et ça rend beaucoup des petits problèmes qu'on peut avoir au début totalement compréhensibles dans le récit. Là où ça peut être un petit peu forcé ou rapidement balayé avec certaines facilités comme dans Coco. Je suis désolé, c'est vraiment totalement ce que ça renvoie pour moi Coco. Là, ça gère la chose de façon beaucoup plus satisfaisante et appréciable et ça rend le tout très agréable à regarder. Vraiment, hein. Et malgré tout, j'irai pas qualifier ça d'un des plus grands films Disney jamais fait pour quelques petites raisons. Des raisons qui sont un petit peu en lien direct avec l'approche de scénario et la résolution que ça apporte, donc j'en parlerai à la fin de ça, histoire qu'on ait une petite partie spoiler rapide, et quelques petits détails, éléments un petit peu rapides, qui cassent pas grand chose, mais histoire de dire, voilà, le petit chipotage, les petits trucs qui baissent un chouïa la chose. Les chansons sont très bonnes, très sympathique, entraînante, mais j'avoue que il y a peut-être un petit problème dans la VF, pas parce que le doublage est mauvais, le doublage est très bon. Le doublage est très bon, les différents comédiens et comédiennes choisis remplissent parfaitement le job. Je suis super content d'avoir dans le même film Claire Guyot et José Garcia. Ça fait plaisir, hein, j'adore ces deux comédiens lorsqu'il s'agit de doublage. Et Hype total lorsque j'ai entendu ça sur le grand écran. Mais il y a un petit problème dans le fait que la musique, les chansons sont prévues pour être ultra textuelles. Et lorsqu'on doit faire passer énormément de textes dans une musique endiablée comme ça, c'est difficile de faire passer le rythme par certains moments. Peut-être que ça passe mieux en VO. Je l'ai vu ça en VF, donc je ne peux pas dire. Et il y a aussi le fait que à 2-3 moments, surtout à la fin, on essaye vraiment de faire de la chanson-narration, en fait. Chanson qui narre les interactions, les dialogues entre les personnages, ce qui fait que, je sais pas, dans le dénouement de fin, où tout se met en place, tout s'arrange, parce que bien entendu que ça s'arrange à la fin, hein, c'est pas un spoiler ça, il y a ce côté où je regrette un petit peu que si vous n'ayez pas juste fait des plans ou des dialogues simples, et pas juste « nous chantons ce qui nous arrive, je chante mes excuses, je chante ci, je chante ça, ok ». Vous pourriez pas faire passer ça par des moments un peu plus simples? Nos personnages qui interagissent calmement et simplement? Je pense que ça aurait été plus fort, hein. Cette espèce de numéro musical ultra étendu à la fin était un peu trop. La comédie est acceptable. Est-ce que c'est la plus grande comédie qui soit? Clairement pas. Elle m'a fait sourire à plusieurs moments, mais ça m'a pas vraiment fait grandement marrer à un quelconque moment. Mais je tiens quand même à souligner la chose que à aucun moment j'ai trouvé ça affligeant. Il y a quelques moments que c'était un peu limite, comme le coup du père de Mirabelle qui a ses allergies régulièrement. Donc il a une gueule où ça gonfle et puis c'est bien, c'était pas drôle particulièrement la première fois, pourquoi vous répétez la chose, c'est un peu con, mais c'est pas gravissime. Mais en toute sincérité, quand je vois les conneries abusives et intrusives qu'on nous a balancées dans Vaiana, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais voilà, la comédie aurait pu être un peu plus percutante, un peu plus recherchée, mais je veux pas non plus trop me plaindre parce qu'elle s'incorpore pas affreusement là-dedans, quoi. Mais je pense que les meilleurs films Disney savent avoir une comédie un peu plus percutante. Voilà, mais en toute sincérité, c'est me plaindre pour pas me plaindre, parce que ça passe bien. C'est juste que ça aurait pu être
un peu plus fort, c'est ça que je veux dire. Et sinon, je pense avoir fait le tour. L'animation est toujours, bien entendu, sublime. Hein. Disney qui met les moyens. C'est pas aussi créatif en termes d'univers que Coco, puisque bon, c'est quand même un univers un peu plus posé. Mais j'avoue qu'il y a quand même de la créativité lors des numéros musicaux, où on appuie la psyché des personnages via des images un peu recherchées. Donc c'est quand même bien. Mais ouais, la dernière chose dont il faut que je parle, qui est peut-être le problème, entre guillemets, le plus notable qui fait de ce film un film bien, vraiment bien, mais pas dans le haut du panier Disney, pas tout à fait dans mon top 10, si j'ose dire, c'est l'approche justement qui empêche le film d'aller très loin en termes d'intensité sur la fin, si j'ose dire. Voilà, donc partie spoilers, je suis obligé parce que je vois pas comment le présenter sans spoiler un petit peu ce qui se passe. Le fait est que, étant donné que tout le problème de la maison qu'on met en place est dû tout simplement au problème de pression qu'instaure la grand-mère et que c'est vraiment un souci de communication familiale qui fait que la maison peut s'écrouler et que tous les soucis viennent de là, ben il n'y a pas de grand méchant. Il n'y a aucune menace grandiose et qui amène à de l'action vraiment ultra recherchée. Je veux dire, on essaye un petit peu d'appuyer le côté catastrophe de la maison qui s'écroule, mais en dehors de ça, c'est pas non plus comme si on mettait en place de l'action ultra intense ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'il n'y a pas de grande apogée particulière qui se ressent dans l'action. Et c'est peut-être le truc à déplorer un tout petit peu dans ce film, quoi. C'est ce qui aidait beaucoup, pas mal de films Disney à se démarquer, à être parmi le meilleur du meilleur, c'est quand même quand on savait mettre en place une apogée d'action assez intense qui vous prend au trip, et il n'y a pas exactement ça. C'est un petit peu dommage, surtout quand on met en place un univers où on a des super-héros presque, de voir que ça se résout avec pas vraiment d'action, en fait, c'est un petit peu ennuyeux, mais vu que c'est un petit peu la voie qui a été choisie et que c'était difficile, à partir de cette voie-là, de créer de la grande action, je sais pas trop leur en tenir rigueur, mais voilà, c'est ce genre de petites choses qui fait que c'est pas aussi palpitant que ça pourrait l'être dans ce genre de circonstances. Et il y a le fait que, et c'est pas trop grave, là aussi, c'est plus un... un problème de perfectibilité qu'un problème important, c'est que on suit le personnage de Mirabelle principalement, elle est super attachante, super touchante, mais lorsqu'on met en place que toute sa famille subit un peu la même pression qu'elle, à des degrés différents, on a presque un strict minimum. J'exagère un peu, pas tout à fait, c'est pas exactement ça, mais on n'a pas autant de temps d'appui sur ces personnages-là, alors qu'il y en a beaucoup qui promettaient beaucoup, comme par exemple Louise. Louise, sa sœur, qui est super costaud, qui a un problème de considération par rapport à la pression qui pèse sur elle de façon presque littérale, qui est très intéressant, mais c'est montré en une chanson, et après son personnage est un petit peu mis au second plan, histoire de dire, et on n'en fait pas plus. Il y a une histoire de triangle amoureux un petit peu à un moment donné, et ça aurait pu être intéressant d'appuyer la considération des trois personnages mis en avant, mais c'est un peu survolé, et ça se règle un peu vite à la fin, comme ça, histoire de... Et il y aurait clairement eu moyen de faire plus là-dessus. C'est un peu restreint par la durée minimum de ce film, je vous cache pas, et le nombre important de personnages secondaires qui vont avec, mais... ce genre de choses fait que, même si les personnages secondaires sont intéressants dans leur approche et suffisamment attachants pour aider à porter le film, c'est vraiment Mirabelle qui est au centre et c'est vraiment sur elle qu'on va vraiment avoir de l'émotion. Lorsqu'on appuie un peu les autres, c'est pas mal, ça fait bien le taf qu'on demande, mais ça va pas plus loin. Et c'est peut-être ça qui manque. Ça fait partie de ces rares films où j'aurais pas été compte que ça dure genre 10 minutes, un quart d'heure de plus, je sais, hein, déjà que c'est assez long, mais que voulez-vous, pour qu'on passe plus de temps sur ces autres personnages, ces autres membres de la famille. Bon, on passe suffisamment de temps sur son oncle et sa considération, de façon à ce que ce soit suffisamment touchant, mais en dehors de ça, ça manque de détails, pour rendre ça aussi fort que ça pourrait l'être. Mais ces plaintes que j'ai sont assez minimes globalement, c'est juste des détails qui font que
Ah oui, ça vaut un 15 sur 20, mais pas plus. Mais un 15 sur 20, quoi. Je veux dire, ça fait quand même plaisir de voir un film aussi bien rodé, aussi rafraîchissant, une fois de plus. Mais ça va pas plus loin que ce 15, parce que il manque ce petit plus, cet effort supplémentaire pour me faire dire « waouh ». Mais sincèrement, c'en était pas loin. Et vu les quelques films Disney sortis récemment que je me suis vu, je trouve que c'est une amélioration notable. Et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de revoir un Disney qui m'enchante, comme ça. Hein, qui m'encante, comme ça, si j'ose dire. C'était vraiment rafraîchissant. Je pense que c'est le terme à retenir pour moi. Film rafraîchissant. Est-ce que c'est ultra original dans son approche, j'irai pas jusque là, mais c'était vraiment très bien fait et suffisamment émotionnel et touchant pour valoir largement le coup. Et je vous le recommande, sincèrement. Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ça va peut-être compenser le fait que le prochain Pixar n'a pas l'air fameux. Et tant qu'à faire, histoire de terminer en me plaignant, on n'arrête pas de me demander mon avis. Et t'as vu la bande-annonce de Sista, j'essaye de pas regarder, mais je suis tombé sur la bande-annonce d'Alerte Rouge. Ça a l'air nul à chier. Espèce de délire, hein. On fait notre truc entre ados, et il y a cette espèce d'élément surnaturel qui arrive, le genre de comédie d'ado avec un petit élément surnaturel à côté, qui n'avait pas l'air de voler particulièrement haut. Alors, c'est peut-être une bonne annonce mensongère, qui lance sur de fausses impressions. C'est tout ce que j'espère, mais ça renvoie pas quelque chose de sans sas, hein. Et vu le nombre de bonnes annonces qui promettaient pas grand-chose de Pixar qu'on a vu avant, c'est peut-être pas forcément signe de grand-chose, mais je veux dire, même les pires bonnes annonces comme celle de Monstre Academy qui promettait rien du tout, elles me renvoient pas autant de merde que ça, je vous cache pas. Parce que vraiment, cette bonne annonce, t'as chié, mais à un niveau, ça donne vraiment l'impression que ça va pas aller loin, quoi. Donc, j'attends pas grand chose, mais une fois de plus, une bonne annonce, ce n'est pas un film, et ça peut vous tromper. Donc, on verra, on verra. En tout cas, Encanto. Très bon film, je vous le recommande, une bonne surprise. Merci d'avoir suivi, à très bientôt. Au revoir.